Les fidèles catholiques du monde entier célèbrent ce mercredi les morts, une fête qui intervient ce 2 novembre au lendemain de la Toussaint, un jour spécial pour le monde catholique au cours duquel sont mis à l'honneur les défunts dans le respect, la joie et la bonne humeur. Au cimetière du Cameroun, dans la commune de Dixine, ils sont nombreux ces familles qui sont venues fleurir les tombes de leurs et prier pour le salut de leurs âmes. Monseigneur Albert David Guillaume Gomez, évêque, salut la mémoire des illustres. Aujourd'hui, c'est la commémoration des fidèles défunts. Chaque année, c'est au mois de novembre, le 2 novembre de chaque année. Pour le révérend père Raymond Thomas Willington de l'église anglicane de Guinée, cette fête est une occasion pour les fidèles chrétiens de se souvenir de leurs défunts. La fête des morts, c'est pour nous souvenir de nos morts, soit disant que la mort n'est pas la fatalité des choses. Christ est né, grandi et il est mort. Et ce n'était pas la fin. Après la mort, il est ressuscité. Cette fête des morts, c'est pour nous souvenir que ils étaient comme nous et nous serons comme eux. Une fois nous recueillir sur cet homme, ça nous rappellera toujours que sur cette terre, nous sommes venus, c'est pour un temps. Et ce temps, c'est pour le pèlerinage. Et durant ce pèlerinage, nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Venu bénir les tombes à l'occasion de cette fête, le père Dominique Keita de l'église catholique Saint-Augustin de Taouia s'exprime en ces termes. Aujourd'hui, nous sommes venus pour bénir les tombes, les âmes des fidèles défunts qui reposent en ce lieu. Et dans la foi chrétienne, ce lien qui unit les vivants aux frères, aux défunts, est plus renforcé dans la mort et la résurrection du Christ. Dans cette foi, nous disons que Jésus qui est mort et ressuscité, de même ressuscitera tous nos défunts. C'est pourquoi en ce jour 2 novembre, nous venons toujours les bénir, leur exprimer notre proximité dans la foi, mais aussi dans l'amour. Michel Pascal Bangoura et le poux Marie-Joséphine Touré, fidèles chrétiens, sont venus se recueillir sur les tombes de leurs proches et parents. Nous sommes au cimetière. On est venu revoir encore nos morts qui sont couchés ici et les honorer, faire en sorte que la prière que nous faisons à leur égard soit exaucée par Dieu. Nous venons implorer la grâce divine afin qu'eux aussi ils intercèdent pour nous. Nous prions un peu parce qu'on dit que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants. Cela a été dit dans le livre, lorsque Moïse est allé découvrir le buisson ardent, on lui a dit de se déchausser et on lui a dit que vraiment notre Dieu est vivant, il n'est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants. Selon nos informations, les origines de cette fête remontent à des temps immémoriaux. À cette époque, les peuples préhispaniques conservaient déjà les crânes des défunts comme un trophée.